Bonjour, aujourd'hui Bombi TV se trouve à l'inauguration du centre culturel et de rencontre de Chenôve. Pendant 30 minutes, on va devoir suspendre les visites. Alors, bah écoutez, tout d'abord, le Cèdre il s'inscrit dans le futur centre-ville de Chenôve. C'est-à-dire qu'on est en train de construire un centre, on a inauguré aujourd'hui un centre culturel et de rencontre, mais c'est aussi un élément qui s'inscrit complètement dans le cœur de ville, dans le centre-ville qu'on est en train de créer à Chenôve. Voilà, donc pourquoi ici? Parce que nous voulions que ce centre culturel il soit vraiment au cœur de Chenôve, accessible à tous les habitants de tous les quartiers de la ville. Le Cèdre, c'est un bâtiment, hein, c'est un centre culturel, mais c'est aussi un pari qui est fait pour Chenôve, hein, pour donner une nouvelle image à Chenôve et une image positive par la culture. On va avoir ici des artistes de renommée nationale, internationale. On va aussi avoir des artistes locaux. On va également accueillir des colloques, des séminaires, des réunions. Donc vraiment, la volonté, c'est que ce centre culturel il soit pour tous les habitants de Chenôve et qu'il rayonne sur le sud de l'agglomération Dijon. L'accueil, spacieux, lumineux et moderne, incite les habitants à entrer. Dans cette salle peuvent être stockés les sièges modulables de la salle de spectacle, des séminaires, des colloques ou autres manifestations en tout genre. Nous nous trouvons actuellement dans la salle de spectacle modulable qui peut accueillir 1100 places debout et 700 places assises. La direction des affaires culturelles a également trouvé sa place au sein du bâtiment. Deux salles de danse permettent d'accueillir notamment la compagnie Figure de Style. Une bibliothèque de partitions est à disposition des élèves du conservatoire de Chenôve. Nous espérons que ce reportage vous aura plu et à bientôt sur Bombi TV.